Gros bonsoir pour nous toutes. Nous comptons rentrer la caille nous aujourd'hui, mercredi 17 juillet 2024, là, pour que nous capables de nous informer ou de ensemble pour capable dominer l'actualité. Bon, la caille par nous avec l'autre bord de l'eau en collaboration avec VOA Creole. Mais parmi quelques points à gagner pour nous développer un journal aujourd'hui, gagné Premier ministre haïtien Gary Conille, qui lui-même dirigeait le deuxième conseil gouvernement hier mardi 16 juillet 2024. La discussion est allée sous feuille de route gouvernement, la donne qui gagnait sécurité, élection, constitution et économie. L'autre information dans le journal, pour mener nous, eh bien, déploiement ça, qui était gagné, eh bien, dans la zone centre-ville, gagné plusieurs policiers et Kenyans qui ont même été déployés dans le centre-ville, dans l'idée pour qu'ils soient capables de faire une visite. Dans le moment que ils ont fait patrouille, il faut que nous disions qu'ils ont gagné en pile difficulté, puisque ces messieurs vivent ensemble, ils ont profité occasion pour être capables de tirer sur eux et ils ont même riposté par rapport avec ensemble tir qui était visé dans la localité que yoteye dans un centre-ville. Et puis il y a un gouvernement haïtien qui lui-même décidé de décréter un état d'urgence sécuritaire dans le département de l'Ouest avec le département de la Tibonite paysan à cause de la situation actuelle paysan qui est vraiment compliquée. Et puis l'autre bord de l'eau, il y a un président américain Joe Biden qui déclarait qu'il est prêt pour abandonner la course électorale si et seulement si Dr. Tadil a un problème physique ou bien un problème mental. Mais si toutefois pas un cas qui présentait, il n'a pas abandonné la course électorale. Ces points ça yo avec divers les autres n'a gagné pour nous capable vinn développer dans journal là rete connecté n'a tourner après posant pour que nous capable vinn développer point nous saute annoncé yo ak plusieurs les autres encore. Yo l'autre fois encore n'a saluer tout le monde qui déjà connecté journal là, bienvenue dans développement journal là. N'a pas démarré journal là ak information qui est pour ak politique. Gagnant Premier ministre haïtien Gary Conille qui lui-même présidait deuxième conseil gouvernement li hier mardi 16 juillet 2024 là, faut nous dit que échange techita sous mise en œuvre feuille de route gouvernement et puis implémentation grand chantier transition en politique là qui gagne la donne sécurité élection constitution ak économie. L'autre information dans le journal là pral mener nous eh bien ouais dossier sécurité gagné eh bien plusieurs policiers qui sorti eh bien dans pays Kenya té profité occasion jeudi mercredi 17 juillet 2024 là pour que ou té capable faire patrouille dans plusieurs rues dans quelques capitales là. Eh bien faut nous dit yo té gagné plusieurs machines blindées qui té accompagné yo pendant journée mercredi 17 juillet 2024 là. Eh bien démonstration ça li vini moins que 24 ans après que eh bien nouveaux soldats kenyan yo même foulé sol pays d'Haïti. Gagné un total 200 policiers qui yo même rivé en Haïti, ça qui pote total là à 400 nombre policiers qui déjà dans pays soldats ça yo vini pour que yo capable accompagner la police nationale d'Haïti pour bataille contre nèg exam qui a fait couler sang dans pays jusqu'à présent. Pas gagné pièce date qui kembe pour que yo capable lancer opération qui visait à démanteler gangs qui occupaient plus passé 40% dans territoire eh bien dans pays qui dans région métropolitaine là. Faut nous dit pendant en visite ça eh bien gagné ti monsieur vivant sans mio qui t'a profité pour qu'il était capable tirer sous monsieur eh bien kenyan yo et policier kenyan yo qui t'a accompagné avec plusieurs policiers qui affectés dans SWAT, plusieurs militaires eh bien qui fait partie de force l'armée pays haïtien yo t'a obligé riposter par rapport avec ensemble un tir qui était visé yo dans local que yo teye dans centre-ville. N'a quitté information qui est pour ak sécurité pour que nous capable alwe information concernant un dossier politique. Eh bien gagné un gouvernement haïtien
qui lui-même décidé pour qu'il soit capable de décréter état d'urgence sécuritaire dans le département de l'Ouest et dans la Tibonite, d'après information qui lui vient joindre salle nouvelle nous. Décision ça lui prend après un conseil ministre qui était réalisé jeudi mercredi 17 juillet 2024. Ça, mais ça lui a dû répondre rapide à l'insécurité qui gagnait dans la région Sayo, qui marquait surtout par un pile Zak violence et puis enlèvement. Département l'Ouest qui gen la donne capitale paysan, et c'est un département qui pi touché par insécurité sa yo, qui mettait en danger sécurité citoyen yo ak stabilité dans la région. Faut nous dit tout, c'est pas seulement dans le département l'Ouest, gagne tout dans le département à la Tibonite là jodi an la, qui gagne en pile difficulté par rapport avec question instabilité et puis insécurité. Ça qui fait que habitants dans le département ça yo vraiment inquiété. L'État doit permettre à gouvernement pour mobiliser ressources supplémentaires pour capable prendre mesures exceptionnelles pour faire face ensemble avec situation ça. Mais décision ça, il vient un jour après deuxième contingent soldats à Kenya yo, et bien yo arrivé dans pays. Et puis il faut nous dire gagner un plaisir blindé, et bien mission multinationale avec soutien sécurité qui était défilé jeudi mercredi dans champ de mars. Ça qui suscitait et bien en pile parole en pile sous éventuelle opération musclée qui a préparé pour fête dans foyer et gangyo jour ensemble avec Semenyo pral paraître déterminant pour capable évaluer impact décision ça sous stabilité et sécurité dans un pays. Entre-temps, faut nous rappeler que arrêté pour intérimer décision décrété état d'urgence là, l'état doué est bien rentré en vigueur et bien après-midi en même jeudi mercredi 17 juillet 2024. N'a pas quitté information si là n'a fait yon vuelta nous praler l'autre bord l'eau si tout nan pays. Et bien Joe Biden pour nous parler de président américain Joe Biden journée jodi qui lui-même ouais li nan yon impasse par rapport avec situation qui gagnait nan pays. Et bien gagnait en pile démocrate qui obligé à demander président américain pour qu'il soit capable de remettre démission et pour ne pas à participer dans la prochaine élection qui est pour faite dans le pays États-Unis. Dans la date 5 novembre, Cap Vinila, et bien, jeudi, Joe Biden lui est monté au créneau, lui fait une déclaration, lui dit, lui prêt pour le remettre démission si et seulement si il a gagné un diagnostic qui fait et bien, au niveau d'école et il a révélé que lui gagnait un problème, il était malade, il pas gain problème, eh bien l'a obligé à quitter le pouvoir. Faut nous dit que lui fait déclaration ça dans média BT. Eh bien faut nous dit que jusqu'à présent président lui déclaré m'a réfléchi pour me capable bail vague. Président américain lui répond, eh bien si moi gagne un problème médical qui est à apparaître compliqué vie moi, si yon moun ou bien yon médecin est à venir pour l'OM et puis lui t'a dit moi gagne un tel problème et lui cap prouver pas de problème moi-même m'a promettre démission. Président américain Joe Biden fort nous dit depuis plusieurs jours, eh bien gagne en pile question qu'a posé vis-à-vis de lui-même sous état santé li et surtout sous mental li après débat. Nous connaissons un débat catastrophique que l'été connaît vis-à-vis de Donald Trump qui lui-même c'est un candidat pour capable participer dans l'élection présidentielle dans date 5 novembre qui vient là. Eh bien, fort nous dit que un débat ça qui était fait en direct sous CNN côté que président américain n'est pas capable de joindre Molly assez facile. Et puis récemment fort nous dit que eh bien Joe Biden t'apprend qu'on est en pile difficulté dans moment pour te citer non président pays ukrainien Vladimir Zelensky, il était préféré dire, eh bien, président Poutine, même que en après l'état pral corrigé par rapport avec ensemble de difficultés, ça a gagné plusieurs démocrates.
qui obligé mandé le président américain Joe Biden pour le capable tout la colle pour quitter plaçant pour l'autre monde d'après yo jugé qui est plus bon dans question mentale. Et mais Joe Biden déclaré si moi gagne un problème médical qui t'apparaît si yon moun yon médecin t'a venu pour moi et yo t'a dit ou gagne un problème. Eh bien, laisse ça, la pas réfléchir, la seulement remettre démission. Voilà, déclaration président américain Joe Biden qui fait qu'on est tout li capable by vague pour ne pas participer dans l'élection si seulement si il a gagné un problème mental. C'est avec information ça que nous mettons un bout avec journal là. Nous te prenons un pile plaisir pour que nous te capables apporter la caillou. Eh bien, nous avons invité à rester connecté VOA Creole pour suite journal là. Eh bien, pour reste information, nous avons invité à rester connecté eh bien, VOA Creole dans suite information dans journal ça. Cap dominé, actualité. États-Unis, troisième jour convention nationale parti républicain, principal orateur soirée, c'est pour le candidat pour vice-président qui c'est sénateur J.D. Vance. Toujours actualité électorale là ici aux États-Unis, président démocrate là Joe Biden continue à chercher appui électeur noyau dans Nevada. Et puis dans le pays d'Haïti, deuxième conseil des ministres là a qui ont attention spéciale sous feuille de route gouvernement avec stratégie pour réussir transition. C'est point ça yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment, nous t'avons dit deuxième conseil gouvernement, premier ministre Guy Kony dans le pays d'Haïti. Mais actualité a mené nous dans Milwaukee, dans l'État Wisconsin, côté que c'est déroulement convention nationale parti républicain. Nous arrivons pratiquement dans la troisième journée. Nous avons sous place envoyé spécial nous, Valério Saint-Louis. Valério Saint-Louis, que convention a avancé. Nous disons nous arrivons dans la troisième journée. Dis-nous non, ça qui gagne dans le programme pour aujourd'hui. Bonsoir Jacqueline, c'est troisième journée, c'est une journée une autre fois encore qui pourrait être intéressant puisque pour troisième journée ça il y a un thème. Thématique là pour troisième journée ça et ben c'est Run America for you l'autre fois encore. C'est thème là qui pourrait développer et certainement il pourrait parler de politique étrangère, politique internationale, pays américain et positionnement les États-Unis dans le monde là. C'est thème là est gagné pour développer thème ça et pour parler avec délégués qui pourraient camper des domaines là qui pourraient chauffer et ça nous pourrait certainement joindre des leaders des Parti républicain qui pourra défiler sous podium nan, puis au palais, puis au galvaniser ça là. Nous voyons que c'est quand même une ambiance très festive, et en pile électricité, en pile chaleur dans la salle. Dans le barou, Jacqueline, eh bien, une idée de quantité, alors qualité de monde qui pourra parler, deux ou trois, nous pas une liste très longue, mais dans le barou, deux ou trois. Par exemple, notamment, on parlait de Rick Greenwell, qui lui-même c'est ancien directeur service intelligence nationale pays États-Unis. Il est important puisqu'il a parlé de politique étrangère. Nous avons joint tout ancien président. Newt Gingrich, Thomas Homan, qui est ancien directeur service immigration à douane, ICE, gouverneur état Texas, la présentation à la palais, Greg Abbott, n'a bien petit garçon, ancien président Donald Trump Jr. Et puis, c'est un discours qui a pile monde pour plaisir, et bien, pour première fois, il faire connaissance peut-être avec lui en public, délégué ensemble avec le public en général, qui va regarder sur l'écran télévision à travers le monde, n'a pas joindre Usha Vance. Qui c'est madame vice-président nominée J.D. Vance. Donc un programme très intéressant et puis des leaders, des invités, des monde qui pourraient prendre la parole qui encore une fois pour galvaniser ça là capable faire et ben électriser et nous qu'a dit bon tout le monde cap là parce que faut nous voir que non seulement il y a monde qui dans salle là cap regarder, il y a monde qui dehors et certainement il y a monde qui à travers le monde qui branché cap regarder puisque c'est la première fois on va entendre madame vice-président nommée et puis comme on te dit tout Jacqueline le clou de la soirée, c'est vice-président nommé à lui-même qui prend la parole, sénateur Ohio, J.D. Vance, Jacqueline. Donc c'est pratiquement une soirée qui est chargée. Et Valério, normalement pour grand événement ça y est, dans pile sécurité, et ça qui passe samedi dernier, tentative, ça a été considéré comme une tentative d'assassinat sous ancien président Donald Trump, fait que sécurité a venu en genre spécial encore. Troisième journée, qui est en sécurité ailleurs?
Troisième journée, hein, sécurité. Hein, nous dit sécurité en même genre, peut-être même un petit peu augmentée. Information que nous joignons, il faut qu'on ait que c'est déjà depuis 18 mois quand même que eh ben, service secret, la police Milwaukee, avec tout et service qui est intéressé dans les affaires de sécurité, a préparé et pour yo positionner en façon pour yo vraiment sécuriser le périmètre côté que Convention nationale Parti républicain a fait. Donc 18 mois de préparation, je dis à nous les résultats. Yo arrivé barricader tout périmètre, yo, c'est que gade, peut-être gade, lac et rivière à côté stadium. Ça va me préciser pour nous que c'est un gros stadium, Fizzverse Forum, c'est comme ça le relais, qui sont stadium de sport, c'est vrai, qui recevoir des grandes équipes sportives, mais qui quand même est sous plusieurs blocs qui gagnent un bel périmètre de couverture. Donc ils sont obligés de sécuriser route. Yo. Nous remarquons encore une fois, je dis, pendant que tu as venu, nous remarquons les policiers sous bicyclette, ce qui est intéressant. Une quantité de policiers sous bicyclette, chien yo qui a sniffé normalement et machine avec moun, y a pour entrer dans la barrière, arriver dans le stadium. Non, sécurité a toujours serré. Donc, avec 18 mois de préparation, il y a quand même 15 unités de sécurité, l'autre agence de sécurité qui ont même tout entré dans le système de sécurité. Ça, il faut nous dire, moi, remarquer, moi-même personnellement, présence par exemple, policier Miami, moi, la police Miami, moi, la police Chicago. Donc, il semblerait, ma baisse ça sous réserve, il semblerait qu'il y a fait appel avec le corps police, l'autre ville, l'autre état, pour venir renforcer police, ou du moins sécurité, en dedans et convention ça, Jacques. Donc, je pense que c'est important pour nous mentionner ça, parce que si on va qui saute aux yeux, les moins que la police Miami dans la zone, la police Chicago, tout, Jacqueline. Oui. Et Valério, aujourd'hui, c'est la troisième journée, hein, soirée à charger. Et qui ça nous capable de retenir de deuxième journée qui était passée hier ou bien deuxième soirée? Hier, deuxième journée, bon, on nous dit plutôt soirée, puisque vous remarquez que c'est aux environs de 6h, 7h que délégués ont commencé à rentrer là en foule, en masse, et à rentrer, venir assister à la troisième soirée. Donc, pour deuxième soirée, c'était hier, et ben, c'était un défilé de leaders du Parti républicain qui était venu en gros morceau, nous a dit, ils étaient prêts pour le podium, puis ils ont fait propre campagne électorale. Ils étaient évidemment venus faire éloge pour l'ancien président Donald Trump qui s'est nominé parti. Donc, ils ont vraiment battu bravo pour lui. Nous remarquer entrepreneurs, anciens candidats présidence Vivek Ramaswamy, nous remarquer belle fille et Donald Trump lui-même, Lara Trump qui t'est parlé, sénateur Texas là, et Ted Cruz, gouverneur ville Miami en tout, Ron DeSantis qui te font un discours assez apprécié. Et puis nous joignons plusieurs autres monde qui passent, qui eux-mêmes quand même, encore une fois, montré qu'ils ont unité dans le parti républicain. C'est une bagarre qui en pile, monde qui a observé, noté, ils ont montré unité, notamment nous prenons Nikki Haley qui lui-même tout, qui était ancien ambassadrice des Nations Unies aux États-Unis pendant l'administration Donald Trump là, Livini avec un discours de ralliement, un discours d'unité. Et il dit clairement que lui-même, il baille tout support à toute force li, à Donald Trump. C'était ça qui était peut-être à retenu hier avec un pléiade de plusieurs leaders qui passaient, qui défilaient. Si c'est vrai, ils ont fait campagne, ils ont poussé petit point pour eux-mêmes, ils sont capables de faire déléguer, penser à eux pour prochaine élection. Parce qu'il faut préciser, en nous clair, qu'après mandat, ça, si toutefois que c'est un ticket et républicain qui t'a passé l'élection, eh bien, c'est 4 années seulement que Donald Trump a fait. Donc, ils ont même positionné pour peut-être prendre la relève. Donc, c'est ça, c'est qu'on s'est hier, un message d'unité dans le mi-temps Parti républicain, Jacqueline. Valério Saint-Louis, c'est envoyé spécial service créole là, dans l'occasion Convention nationale Parti républicain. Et Valério Konya pour entrer pifon dans la deuxième soirée à côté que tu as pile intervenant qui t'est venu, il a fait campagne et il a fait éloge pour ancien président Donald Trump. Valério Saint-Louis, on le fait encore. President Donald J. Trump. Thème politique deuxième jour Convention nationale républicaine, c'était fait America retourner gain sécurité encore. Mais l'ité carré les tout, fait tout républicain retourner gentil à l'autre encore. Ancien ennemi politique Donald Trump pendant déroulement élection primaire parti à Anissa, te défilé une après l'autre et yo te bail un message unité. Vivek Ramaswamy, ancien candidat présidentiel républicain. If you want to seal the border, vote. Si vous voulez fermer frontière, votez Trump. Si vous voulez rétablir la loi avec l'ordre dans le pays, votez Trump. En plus de entrepreneur Vivek Ramaswamy, ancien gouverneur Caroline Dicidla, Nikki Haley, lui-même tout est metté sous côté différence politique que l'a gagné avant ça avec ancien président. I'll start by making one thing. M'a commencé pour me faire une seule bagaille bien claire pour nous.
mwen bay Donald Trump tout endosman si pou mwen ak tout fos mwen. N'a rappelé que pendant bataille campagne élection primaire Anissa, Nikki Haley te dernier opposant qui te campé face à face contre Donald Trump. Il était ambassadeur États-Unis aux Nations Unies pendant l'administration Trump là et il pas manqué shooter sous ancien boss comme yon moun incompétent et qui pas ka élu. Bon côté par eux même délégué qui sorti dans état Nikki Haley tankou Jerry McDaniel ak Robin Haley préféré garder devant, yo pas vle garder derrière encore. Jerry McDaniel, délégué républicain Caroline Dicid. It doesn't matter who ran against him before. Pas important qui monde qui était campé en face avant. Président Trump a réuni nous tout ensemble. Et c'est ça nous voulons. Est-ce qu'on pense que le gouvernement Haley gagne Kelly totalement dans la campagne Donald Trump en 2024 ça qui connait à mettre le contre président Biden? I think if she is a person that I think that she might be. Moi penser si c'est monde que moi penser que le takaya parce que me pas connelle. Moi penser que le gain pour pardonner et puis mettre motivation pour avancer et puis kembe nous en tête ensemble pour aider pays noir. L'autre ancien opposant Donald Trump qui sorti dans élection primaire année ça avec l'autre ancien opposant yo qui était prêt la parole dans convention hier mardi inclut sénateur état Texas là Ted Cruz, Marco Rubio dans état Floride, ancien secrétaire logement Ben Carson et gouverneur Floride là Ron DeSantis. My fellow Republican. Républicain pareil moi yo. Envoyer Joe Biden tourner dans basement sous sol là et puis envoyer Donald Trump tourner dans Maison Blanche là. Ça y est, c'est quelques anciens candidats et futurs candidats présidentiels qui t'a fait louange Donald Trump hier soir dans la convention. Avec espoir que t'a qu'à jouer une faveur lui, ensemble avec faveur délégué pour l'autre 4 années qu'a vu là. Parce que Kounia, on nous dit que ticket républicain t'a remporté la victoire en novembre. Ça t'a fait Donald Trump deuxième et dernier thème mandali. Pour VOA News, Steve Herman, adaptation créole, Valerio Saint-Louis. Pour VOA Créole, depuis convention nationale républicaine dans Milwaukee. Merci Valérie Saint-Louis, restez branché sur toute plateforme VOA Creole pour capable connaître tout ça qui a passé dans Milwaukee, dans l'État Wisconsin, dans l'occasion Convention nationale parti républicain. Pendant ce temps, il y a une tentative d'assassinat sur l'ancien président Donald Trump qui continue à peu dominer l'actualité. Eh bien, l'électeur a évalué l'impact incident samedi sous leader républicain. Gentil Augustin Junior, il y a un détail. Take a look at what happened. Tentative assassinat sous Donald Trump là te choqué nation qui profondément engagé dans yon campagne politique divisée. Délégué yo nan convention parti républicain nan état Wisconsin nan Midwest te rassemblé pour la prière pour candidat yo et puis yo te dit que fusillade là ta seulement rendi pi fort. It's made all of us. Li te fait nous toutes inclus président Trump. Plus déterminé pour goumen et puis gagner. Président Trump gen même l'esprit ak Winston Churchill. Nous pral goumen ak yo sous plage yo. Nous pral goumen ak yo nan vil yo. Nous pral goumen ak yo nan la rio. Et puis fwa sa, nous pral goumen et puis gagner. Électeur Wisconsin, James Hauser, dit pas gen place pour violence dans politique américain. People have their own opinions. Moun yo gen propre opinion pa yo. Yo pa dwe tire sou personne. Hemi Deklo, électeur Missouri dit, tu pa mouri nan fusillade la, el agi apel li. Every time chaque fois yon bagay rivel, mwen senti tan kou li plis solidifié victoire li. Li vin gen yon ti kras yon estati légendaire. Li sibi tout bagay sa yo, et puis li continue avancer. Nan New York, électeur VOA te interroge yo, te bouleversé ak sa fusillade la te vle di pour politique américain. Like most normal people, I was horrified. Tan kou pi fò moun normal, mwen te gen la pèrèz. Se yon bagay ki pa dwe jam rive nan Amerik la. Nou ta dwe pi bon pase sa. I'm not a President Trump fan. Mwen pa fanatik President Trump. Joe Biden sou tout route la. Mwen jis pense, tout de pati yo bezwen bese ton an yon ti kras. Li pa vo anyen pou yon moun perdi la vil pou rezon politik. Tentative assassinat Trump nan yon rassembleman nan Pennsylvanie montre nécessité pour diminuer tension politique yo. D'après ça, Laura Baker, yon électeur en Tennessee dit. Moi pense que nous besoin diminuer discours à colère. Pour qui ça nous pas ka jis parler youn ak l'autre. Gen an pile moun ki intensifier ak amplifier tout bagay.
c'est exagéré. Et puis, tout simplement, pas gain aucune raison pour ça. Nous besoin unité. Tourner dans Wisconsin, Dawn Goodman. Quoi que violence samedi a, pral changer politique américain. Quitte c'est Biden, quitte c'est Trump. Li tout simplement pas acceptable pour essayer assassiner un président. Pi loin, c'est un être humain. Quitte c'est Biden, quitte c'est Trump. Campagne Trump ak Biden nan, tout était diminué discours yo depuis fusillade là. Trump te dit New York Post que li te réécrit quelques parties dans discours acceptation li pral bay demain jeudi a nan aswe pour concentrer sur rapprochement nation. Scott Stearns, VOA News, Milwaukee, adaptation créole, Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Docteur Kouno Kapabouel et tentative d'assassinat samedi a continuer rete nan actualité et gen pile débat k'a fait sou li. C'est comme ça Serge François Michel t'es parlé avec yon moun qui gen connaissance nan domaine nan. Ancien président Donald Trump est victime d'une tentative d'assassinat samedi 13 juillet 2024. Là, dans le moment, il a pris la parole dans un meeting campagne à Butler, dans l'État de Pennsylvanie. Thomas Matthew Crooks, qui est mon Pennsylvanie, a ouvert coup de zame à côté d'un cartouche de frotter les oreilles droites de Trump. Et puis, un monde dans la foule a perdu la vie pendant des lots de blessés graves. L'agence de secret qui a une responsabilité pour protéger le président a été recruté suspect qui a campé sur un docaille et a été éliminé. Depuis là, il y a un pile de questions à poser pour connaître est-ce que tu as une faille juste ça dans le périmètre de sécurité qui est établi pour l'activité ici. Si dans une interview avec VOA Creole, Harold Turnier, qui est à la tête d'une compagnie de sécurité rapprochée et qui a une expérience dans protéger un pile gros VIP dans le monde musical avec l'autre personnalité, t'es parlé avec VOA Creole. Sous faille dans le périmètre de sécurité et Secret Service, t'es préparé pour le moment. Écoute, ça me dit sur ça qui est arrivé de Donald Trump, là, c'est pour moi-même, c'est un manque, son manque lié dans. Non, ça nous est la prévention. Comme vous connaissez, sécurité rapprochée, c'est 95% planification. Ça veut dire que planifié, il était mal sécurisé périmètre là. Parce que si vous regardez bien sur la télévision, c'est que l'individu a tiré à une distance de 125 mètres. Ça veut dire que l'espace là est tellement grand pour qui ça, sécurité ou pas sécurisée jusqu'à 300 mètres. Service secret défend, j'ai été répondu tiré. D'après l'agence Nouvelle Associated Press, plusieurs rapports ont rejoint la police pour faire connaître un homme sous un dos qui tout pour écouter Trump a parlé dans le meeting. Non? Plusieurs témoins étaient longés de être sous nom à Mea, sous Dokai, là. L'ayon agent police était monté sous Dokai, là, tout. Suspect, là, t'es pointé les âmes sous lit. Mais agent police, là, pas tiré, yon péta. D'après Harold Turnier, ça, c'était un erreur grave. Agent, ça, qui était, ouais, individu, là, qui pas réagi, qui pas, s'il si rapporté avec qui est-ce qu'il est rapporté, moun ni rapporté, à pour qui ça, moun n'a pas fait des suivis. Deuxièmement, agent, ça, qui veut mon nom sous d'autres là, pour qui ça qu'il pas intervenu, c'est tout pourquoi qu'ils vont poser. Alors, c'est pour qui ça qu'il pas intervenu. Est-ce que c'est parce qu'il pas de basse importance? Est-ce que c'est parce qu'il pas trouvé au danger? Est-ce qu'il pas trouvé aux armes? Kounia, président de la Convention Parti Républicain dans la ville de Milwaukee, dans l'État Wisconsin, pendant l'autorité à enquêter, a travaillé sans point souffle pour chercher à joindre plus d'informations sur un jeune homme de 20 ans qui est tiré sous ancien président Trump. Là. Serge François Michel, VOA Creole. Pendant ce temps, côté démocratique, il y a un président Joe Biden lui-même qui a pensé où est-ce qu'il t'a convaincu électeur noyau dans Nevada pour voter pour lui dans l'élection novembre qui vient là. Jean-Robert Philippe. Président Joe Biden mesure parole li pour remporter l'élection après tentative d'assassinat sous rival républicain Donald Trump. Ça, c'est défi qui devant président qui déclarait. We all have a responsibility to lower the temperature. And condemn violence in any form. Nous tous gain responsabilité pour baisser température pendant n'a condamné violence sous quelque soit forme li.
Président Biden, qui t'a parlé devant l'électeur noyau dans Las Vegas, Nevada, m'a dit 16 juillet, lié à attaque à ZAM qui blessait Donald Trump pendant un meeting populaire, il a participé là-dedans, en Pennsylvanie, samedi, à violence contre Africains-Américains, tant que George Floyd, que un policier blanc est tué en 2020. Semblé victime violence à ZAM qui t'a fait pendant qu'il t'a lancé appel tout pour réactiver interdiction ZAM fin de fois qui expirait depuis 2004. Mitraillette R-15 qui était utilisé pour tirer sur Donald Trump, c'est même qualité ZAMSA qui touye en pilote monde, tant que Timon. L'île est pour nous déclarer yo illégal. Moi, te fèl yon fois et moi, pari pour me fèl encore. Ancien président Donald Trump qui blessé dans l'oreille droite li, nommé pour représenter le Parti républicain dans l'élection présidentielle novembre 2024 là. Candidat est présenté dans la convention nationale Parti républicain dans Milwaukee, État Wisconsin avec un bandage dans l'oreille droite li. Lundi, côté public là, t'est accueilli à Campil Bravo. Président Biden, beaucoup de parle qui t'est remettre une mauvaise performance dans le débat mois passé à face à Donald Trump, t'est soulevé question sur l'âge li avec capacité mentale. Tentative assassinat sous rival républicain là ajouté une autre couche sous complication yo. William Orwell, qui a pensé sciences politiques dans l'Université of Chicago, parlait pour dire on the one hand allay concerns about his fitness for office. On doit faire le côté à cause souci qui gagne sous habilité pour diriger. Nous devons créer une séparation à composition qui a bien passé jeudi. On doit lancer appel pour unité et puis rejeter violence politique. Réaliser toutes trois conditions ça yo vraiment difficile pour n'importe qui monde. Je dis à Biden a traîné dans le sondage opinion nationale yo de Trump dans l'état important yo tant qu'au Nevada côté électeur capable voter pour n'importe candidat dans objectif pour joindre support électeur noir yo Biden contrecarrer politique candidat rival républicain là l'ali imiter ten travail noir que Trump utilise souvent. Folks, I know what a black job is. It's a vice president of the United States. Zanmi myo, moi connais qui ça travaille noir veut dire c'est vice-président des États-Unis hein? Biden demandé peuple américain pour traiter une autre pas tant qu'ennemi. Donald Trump que tentative assassinat a affecté lui-même tout lancé appel pour unité mais en pile observateur espéré calme hein absolument pour un petit bout de temps les activités campagne électorale a commencé sérieusement après convention nationale de partis politiques yo n'a pas de républicains avec démocrate. C'était un reportage passé Wida Kouswara pour sa nouvelle La Voix d'Amérique là. Traduction, adaptation et présentation Jean-Robert Philippe pour VOA Creole dans Washington. Merci Jean-Robert Philippe au sauver VOA Creole au sujet programme dans la langue créole haïtienne. Ou toujours souvé ou akor, l'obsuivi un programme dans langue créole haïtien. Actualité apmené nous dans le pays d'Haïti. Côté que gen opération qui déroulé jodi a, et ben c'est police pays Kenya yo, que nous connaît que gen yon deuxième contingent qui entré dans le pays a, nous capable blindé yo, machine yo, et ben qui dans zone et périmètre palais national, dans zone ministère, côté que yo de y a déambulé, y a circulé d'après information qui t'a sorti proche police nationale là, et ben y a pensé ouais dans quelle mesure que capable reprendre ça aurait les territoires perdus. Donc c'est policiers et gampil policiers Kenya qui en dedans blindé ça que n'a pas gardé là. C'est correspondant nous Steven Aristil qui voyait pour nous, et ben nous capable regarder policiers Kenya cap descendre et cap sorti dans blindé là. Et yo même y a pensé mener en opération pour yo capable prendre et territoire perdu. Nous connaît que gagne deux contingents qui viennent déjà et semaine ça et ben gagne un deuxième contingent qui ouais yo tiré, y a tiré là. Donc nous capable nous même avec genou et ben pays qui lui même te mette accordé une attention soutenue avec feuille de route gouvernement avec stratégie pour atterrir grand chantier transition. Yves Manuel gagne détail.
Premier ministre Gary Conin présidé mardi 16 juillet 2024 la deuxième conseil gouvernement dans résidence officielle dans Musso qui se route Boudouan. Dans l'ordre du jour, question feuille de route gouvernement, suivi retraite gouvernementale et surtout et stratégie implémentation grand chantier transition politique tant qu'au insécurité, réforme constitutionnelle et élection. Chef gouvernement, Dr. Gary Conin renouvelé disponibilité et détermination pour accompagner membres cabinet ministériel dans l'idée pour aider à atteindre objectif qui fixé selon un communiqué qui sorti en bas plume primati. N'a souligné, dans le cadre même des pour implémenter feuille de route gouvernementale, le Premier ministre a rencontré responsable parti politique Petit Dessalines le 15 juillet 2024 qui s'est passé là. À Emadian, il a rencontré responsable accord 21 décembre. Rencontre ça yo inscrit dans cadre d'une série de discussions autour de accord 3 avril 2024 là à grand chantier transition politique là. Accord 3 avril 2024 là t'est signé en différents acteurs haïtiens dans l'idée pour une transition pacifique et ordonnée en rapport à la situation politique pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel, toujours dans le pays d'Haïti, programme Nations Unies pour développement NUD en partenariat avec Organisation internationale pour travail OIT et Fonds pour consolidation la paix PBF et organisé une journée boissé l'idée dans ville au Cap, dans deuxième ville pays. Nous gain sous place correspondant nous Gérard Maxino. Rencontre ça a été facilité. Yoshita Bali a représentant organisation femme avec jeune dans cadre projet dialogue national pour une économie inclusive. Si on sait dialogue qui parle facilité, yo discute plus bien sous économie paysan, selon coordonnateur projet ça, Gabriel Emmanuel Oscar. C'est une initiative que Peace Building Fund, qui c'est fonds pour la paix, et dans le cadre d'un projet qui est exécuté par le NUD et l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Nous avons aujourd'hui à réunir avec un ensemble de parties pour notre clé. Je l'ai dit, jeunes, avec les femmes, surtout qui sont publics cibles, nous, dans le cadre d'initiative, ça, pour nous faire une session de consultation. Il faut nous consulter sous démarche pour nous qui est appréhension, attention, mais aussi pour nous informer sur le processus. Sur tout ça, nous déjà entreprendre dans la phase préparatoire, qui c'est le diagnostic que nous faisons sur le territoire national là, pour besoin et dialogue, ça, et qui est inscrit dans une démarche pour nous consolider la paix. On a parlé d'économie inclusive. Pour qui ça, je dis dans le contexte haïtien, c'est parce que c'est une économie qui caractérise, nous ne comprenons ni indicateur là, c'est pas moi qui inventé, par des inégalités qui sont mesurables à l'aune de plusieurs coefficients, c'est dans le langage technique, qui montrait que y a un petit problème pour nous adresser là en termes d'inclusion. Saint-Vilus Ebenezer, qui est directeur assistant ministère planification et coopération externe, pas écarté possibilité pour. Problème sécurité a pas résoudre si pas gain yon résolution sous problème économique yo. Jodi an la nou gon ensemble de problèmes dans pays a et yon nan problème sécurité a que nou gen dans pays a lié avec problème économique. Et problème économique le fait que économie a pas inclusive et que nou pas jamais chita dialoguer sur qui type d'économie nou veut qui ça nou veut comme modèle économique fait que n'a gen tout problème ça que n'a wè an dans pays a. Quelques participants souhaitaient paysans et jeunes intégrer le dialogue, faciliter ou joindre accès pour crédit dans le système financier. Il faut que le dialogue aboutisse à des mises en place pour permettre que les catégories toujours exclues dans le pays soient capables d'intégrer. On a parlé de jeunes, mais on a parlé surtout de la masse paysanne qui exclut dans tout ce qui a fait dans le pays. Et surtout dans l'intervention de Guélan, on a mis l'accent sur l'inclusion financière, capacité pour les jeunes crédit, capacité pour les jeunes qui ont un business, qui capable de jouer un crédit, capable d'intégrer dans la question du système bancaire. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le département Noa, c'est moins que 7% de monde qui gagne un carnet bancaire. Ça veut dire qu'il y a 93% de monde qui est exclu pratiquement dans le système financier. Je pense que nous ne pouvons pas parler de la paix, nous ne pouvons pas parler de développement sans nous pas parler de questions économiques. Nous pensons que c'est lié. Et c'est pour ça que nous avons participé pour nous porter dialogue, pour nous porter parole dans le dialogue. Le projet ça a gain pour réaliser dans le Grand Noir et dans le Sud pays. C'est un projet qui a commencé dans l'année 2022 qui a fini en 2024. Gérard Maxino Capaïtien pour la Fête d'Amérique.
Et c'est avec le dernier reportage ça que nous allons mettre fin dans le programme. Nous avons rappelé que, pas rappelé, mais nous avons fait connaître que gagné ONU Femmes qui sorti un rapport sur la situation et tifi ak femme dans le pays d'Haïti qui déplacé et côté que y a vive une situation compliquée et dans chaque camp yo y a vive chaque jour avec menace contre viol contre l'autre et bagay encore et puis même dans camp côté yo ya pas gen problème de l'eau gen problème électricité et moun sa yo gen même là-dedans yo gen fil là-dedans yo qui yo même là gen corps dans prostitution et gen même qui fait plan pour yo lagé corps dans prostitution à cause que yo pas gagné moyen pour yo capable survivre pour yo capable vivre et dans rapport ça que ONU Femmes fait soutien li mandé que nouvelle équipe gouvernementale là pour yo prendre toutes mesures pour yo capable porter un changement dans la vie moun sa yo qui est déplacé surtout yo mettez focus là yo mettez accent yo mettez attention yo fixez attention sous mesdames yo sous femmes avec Tifi yo même qui constamment a subi attaque gang armé qui en pile fois bat yo violé yo fait yo passer mauvais moment et branché sous VOA Creole ou bien sur toute l'autre plateforme yo pour capable gagner un rapport détaillé sous rapport ça que ONU Femmes fait sortir. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans programme là, c'est un plaisir comme d'habitude pour te servir. Moi c'est Jacques Belizère et nous remercier et Nelson et avec et Jean-Marc Hervé Abela. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Nous souhaitons nous passer une bonne fin de journée. N'avoir demain. C'est tout bon vrai. Policiers kenyans yo décidé d'attaquer base vive ensemble. Jodi a en pile coup de balle te fait Mikalao nan moment que policier kenyan yo te fait un poté bourré et bien dans la rue nan zone centre-ville en pile soldat qui te sandal yo até yo qui te mouchoir yo até gen soldat qui obligé la gen pied yo pas capable rester supporté par rapport avec coup de balle qui te gagné en bas la ville. Nous gen son nous gen image rete connecté nan vin avec plus détails. Gros vent division nan mitan base vive ensemble qui ça qui passé eh bien gagné barbecue qui sémenté fol touyé Wamikano et Wamikano dit barbecue cette fois-ci ou rive nan dernier boutou gagné en pile parole qui dit par rapport avec gros division ça qui gagné entre deux chefs gang Jimmy Cherizier et barbecue et Mikano alias Wamikano. Restez connecté. N'a vin avec un pile détail par rapport avec gros division ça et bien qui gagne dans base et bien monsieur vivant Samyo plus précisément base et dans base barbecue et dans base ou Amikano. Qui ça qui passé? Est-ce que Christ là pral venger? Si Christ voye pied, si Christ boudé, l'el gade dans qui état, dans qui condition la police décidée pour que yo capable transporter un groupe prisonnier eh bien qui t'a quitté dans commissariat Kafou. Nous pas connait pour qui raison mais gen en pile prisonnier yo retiré dans commissariat yo à la veille dans ville Tigouave et Christophe voye pied li parler en pile n'a vin avec déclaration n'a vin avec image et puis concernant transport ça que Christa lui-même lui fâché vis-à-vis de comportement la police ou gen intérêt pour être suivre eh bien émission ça gen en pile information gen image n'a démarré avec première information en pile coup de balle fait Mikalao jodi en centre-ville gen un petit monsieur policier kenyan yo qui yo même à peine arrivé, eh bien, hier mardi 16 juillet 2024, là, deuxième groupe policier, ça y est, ils ont décidé pour y être algané, pour y être alviré, dans la zone champ de masse, sorti champ de masse, ils ont tombé, eh bien, sous grand rire. Là, ils ont arrivé sous grand rire, nous pas caché de dire nous. Coup de balle fait Mikalao, monsieur vivant Samyo qui était à terre, ils ont tiré un pile coup de balle sous monsieur Kenyan. Et monsieur Kenyan yo, yo pas de printemps pour yo te réagir. Yo pété en pile balle et sortant de yon,
Si monsieur vivant ensemble yo, yo pas de karete. Nan kouri gen nèg ki kite sandal yo. Nan kouri gen nèg mouchwa yo vole gage. Parce que te gen en pile coup de balle, yo tap essayé chape po yo. Ki sa ki passe? Est-ce que si monsieur Kenya yo cette fois-ci yo décidé pour yo attaquer vivant ensemble? Yo di viv ansanm, reli fini. Jodi an, yo pale an pil, nan moman ki rive an, fòk yo fon ti pe, paske yo pa kite peyi Kenya pou gran mesi. Mbral evite nou suiv, koman sa te ye, ebyen o nivou de santreville la, pandan ke ti monsieur viv ansanm yo, yo tap pete kout bal, yo tap defile sou chan de mas la, e le yo te rive sou gran rian, baka yo tap al chanje faz. An suiv. Nale. Dale. J'en ai regardé là, c'est comme ça situation lui-même l'était pendant que ti monsieur yo t'a défilé eh bien chan masse là. Yo t'a prend direction Grand Ri. Là où t'est arrivé Grand Ri, en pile coup de balle t'est pété. Coup de balle t'est fait Mikalao. Et gen an pil bandi ki manke ki te po yo, netes pa bon pie yo. Yo fè m konnen ke bandi yo telman kouri, menm kota pran yo, mete yo nan kous, ansanm avèk Usain Bolt, Bolt pa prive bat yo, telman te gen kout bal nan de gwen yo, jodi an, ti monsieur Kenyan yo, yo pa vini pou gran mesi. Yo vin batay ansanm avèk bandi, yo vin batay pou de pon. Pendant ke la police tap tire coup de balle ensemble avec monsieur yo nan base iso nan base 5 secondes nous connaît nan centre-ville là gagné iso 5 secondes et puis gagné craché difé base belair en même temps faut nous dit que gagné gros division nan mitan base vivre ensemble côté que Jimmy Cherizier alias barbecue nan bouche l'ouvri ensemble avec Mikano wa Mikano kap dirije Wav Jeremy. Ki sa bagay lan ye? Mikano li semente 7 fois 77 fois la presi mete on fe ensemble avec question barbecue an et barbecue di Mikano wa monte sou restif. C'est moi qui Jimmy Cherizier an, c'est moi qui porte-parole vive ensemble. Tande bien la société. Ki sa problème nan ye? Gagne Jimmy Cherizier aka barbecue monsieur yon ki te décidé pou ke li te capable fò rive la caillou wa Mikano parce que en dan viv ansanm c'est mayen yon mayen tout assurément Jimmy Cherizier li te profité pou li te capable al fon ti showbiz la caillou wa Mikano malheureusement ki pat la et sortandeyan soldat Jimmy Cherizier yo kembe soldat Mikano yo bat yo bien bat. Et pendant yo bat yo, le Jimmy Cherizier vin kon sa, Jimmy Cherizier sa le fait li passe soldat Mikano yo kek pata swel. Ou Mikano ki pat la nan moment, l'el vin il parle ensemble avec Jimmy Cherizier. Li dit tokay, ou konnen très bien, ou ses amis, ses bon partenaire. Pour ki sa rive nan situation pour frapper soldat mwen, pour bat soldat mwen. Et sortande yon, Wa Mikano oblige mande Jimmy Cherizier yon zam ke l te prete l. Bon explique nou histoire zam sa. Pendant mois juin 2024 ki sot passe la, Wa Mikano te prete Jimmy Cherizier kek zam. Et gen yon nan zam yo, ki ta pral tombe nan zon Delma 24 Solino. Est-ce que nous songe attaque que monsieur Jimmy Cherizier yo mélangé ensemble avec Kempes
t'as fait sous moun solino. Le moun solino te prend, te fait bois calé pour yon nan soldat Jimmy Cherizier yo. Eh bien, c'était zam sa, eh bien, moun solino te prend, la police te prend, nan mes soldats sa yo te bay bois calé. Et sortant de yon, Jimmy Cherizier répond Mikano pour le deal. Attention, Toro. Kounya là, moment difficile. Nous pas qu'à sortir, nous pas qu'à acheter zam, nous pas qu'à acheter munitions. Parce que gagne vivant parce que jodi a gagne policier kenyan yo qui rive sous nous et le ou la façon yo a rentré dans fief nous Mikano dit so am di m la m pa konnèl avec bagay policier kenyan c'est pour ou yo pas pour moi moi mande zam moi et sortant de là gagne bouche l'ouvri dans mitan de messieurs yo you n'a di l'autre parole et puis pendant Jimmy Cherizier dit Mikano yon parole, parole la rentre dans sentiment Mikano et Jimmy Cherizier allez. Mikano qui pas ka dormi, li dit puisque le pas ka dormi, Jimmy Cherizier pas ka à l'aise. Sortant de yon, li prend plusieurs soldats, li monte sous Delma et en pile coup de balle, te fait Mikalao et Jimmy Cherizier te riposte. Et yon nan monsieur yo, yo di yo ap manje yon quand même. Qui sa ki genye kounya nan mitan vivre ensemble? Est-ce que yon poivre qui sime? Est-ce que c'est le yo qui rive? En tout cas, li rete pour nous suivre, pour nous voir qui j'en saye lui-même, li pral fini. Pendant que genye coup de balle kap tire nan Badelma, pendant que genye monsieur vivre ensemble yo, qui genye difficulté, forme di nou que, eh bien genye Chris la. Oui, Chris la. Chef gang Fontamara, chef gang Tibois. Jodian li fait gros coup de sang qui était capable cause dans moli. Qui sa situation yé? Gagne yon groupe prisonnier qui était dans commissariat Carrefour. La police décide pour retirer prisonnier sa yo peut-être à cause de opération de porter bourré, yo a préparé pour yon faire nan fief monsieur yo. La police pa vle prisonnier aux victimes, la police pa vle prison krasé, nan sans ça, policier ont été obligé prendre yon gros boîte machine gros boîte yo, yo mette pile prisonnier yo. Chef gang Tibois li estomaké, monsieur parle en pile, li dit en pile bagay. Li même traité la police de cocorate, li traité la police de grapiaille. Bon invité nous tende, chef gang Tibois, Chris la qui était très mécontent par rapport avec façon yo t'a transporté et mes prisonniers yo dans vieux camion boîte pour que yo t'es capable quitter commune Carrefour ensemble avec yo pour aller prendre bateau ensemble avec yo. Et je dis à Maigrette, ton est boulé Maigrette men. Et je dis à Maigrette, on t'a des bagages monsieur. Tu consens nèg maltraité moun yo pense soit fait nèg là li pral corriger ou mari nèg a kon paquet cabrit kon yo ou pral passer sur la main avèl pou al mete dans l'autre prison non gros camion. Bon côté moun ki di c'est droit de l'homme yo et di moun ki di moun ki la prison pa gen droit ou même côté ou la de l'homme ça. Je dis à l'an qui paye, nèg yo vle fè nou viv. Non jeng. On passe son moun. Oh, 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 papa. Oh, Jésus. Oh, Dieu, y allez. Se m'a gade pou et pou la, se façon sa, yo ta transporte prisonnier. Yon premier camion boîte qui sorti, yon deuxième camion boîte. Oh, on invite nous, m'a invite nous, tendez toujours Chris là qui était très fâché par rapport avec situation t'a transporté, façon t'a transporté et bien prisonnier yo, les t'a quitté commissariat ensemble avec yo pour que t'es capable prendre direction Carrefour et pour yo rentrer dans 364 là dans port et pour que yo capable traverser ensemble avec yo pour mener yo Tigouave dans l'idée pour que yo capable protéger yo. Et je dis à Maigrette, ton est boule Maigrette men. Et je dis à Maigrette, on t'a des bagages monsieur. Tu consens nèg maltraité moun yo pense soit fait nèg là li pral corriger ou mari nèg a kon paquet cabrit kon yo ou pral passer sur la main avèl pou al mete dans l'autre prison non gros camion.
Kote moun ki di yo se doa de lòm yo. E di moun ki di, moun ki nan prizon pa gen doa yo men. Kote ou la de lòm sa yo? Je di alan ki peye neg yo vle fè nou viv. Non jeng. On pas son moun apre li pou peyi ya. Pa gen sekirite pou moun ba moun yi. Et yo même yo même yo a tué moun yo di se bandi yo a tué ba boakale. Nou pa vle bandi tué moun chaque jour n'a di bandi a tué moun bandi moun ba de moun et nou même n'a tué moun chaque jour n'a ba boakale. Je di a nou pa vle moun passe misère je di a gade jan nèg yo pon bande prisonnier pour di yo pral pran yo pral passe lan bateau avec yo pour aller mettre yo nan l'autre côté gade jan nèg yo mette nèg yo kon paquet cabrit. Ça veut dire moun des bon moun nan prison li pa gen droit. Mais même quand on nèg là ouais ou mette là comme paquet de cabrit. Yo tire papa monsieur. Monsieur pas bandi, li pa rien. Yo tue papa monsieur. Parce que papa monsieur gon paquet bien. Papa monsieur te gon zam ki légal. Monsieur gèlè pran zam nan pou vini avèl li arrêté la zam nan. Monsieur pral gen 2 ans ou pa janm lage, li lan pil moun sa ou la. Même famille qui besoin prend tout bien papa, yo fait arrêter monsieur mettel nan prison. Ou konn sa fait moi même pa prend monsieur. Et pour moun pa parle. Pour nous pas dire Christ dal nan prison ka fou, li te sesil ti l'autre bon. Est-ce que nous comprenons bien sa Christ a so dire? Bagala tellement indigné façon yo transporter moun yo sorti nan prison an pou yo capable aller ensemble avec yo nan gros vieux bout de boîte machine yo kon pote bête yo kon pote cochon yo kon pote cheval yo kon pote choual cabrit et bien c'est comme ça prisonnier otayé nan machine chef gang nan première question li pose côté moun ki di yo défend droit moun yo côté droit de l'homme côté organisation droit de l'homme yo parce que le connaît jodien droit de l'homme yo plus là la police fait une attaque pour que droit de l'homme capable parler les droits de monsieur dame droit de l'homme yo plus parler et bien c'est les yo gagné intérêt yo les yo gagné avantage yo dans yon bagay c'est les ça yo plus parler et Christ la prend comme exemple. Yon moun li konnen ki pa nan gang, men ki nan prison an, li nan situation an, li fè konnen ke yon te ka al pral, yon te ka al pral, men sak fèl pa al pral, se pou evite parol an pil, paske se lon kris la, e men jen gason sa, ki nan prison an, li pa yon bandi. Se moun la kay li, ki te komplote, apre ke papa te fin mouri, yo te comploté pour te mettre en prison et pendant la prison pour te capable prendre bien papa c'est non complot que jeune garçon ça lui même il te prend Christ a fait connait que il te cal prend et vraiment vrai il te cal prend vrai mais pour éviter eh bien il pas le prend on continue tendez chef gang Christ là qui lui même t'a parlé par rapport avec situation j'ai t'a transporté eh bien prisonnier selon Christ là qui pas normal Hélène garde vrai qui pas normal des jambes te ka pran misi mba fèl moi kite pou autorité pays m décidé mi c'est pas bandi son jeune garçon li pa bandi fami fait arrêter le peut-être bien papa yo tire papa c'est ton syndical téye. Même policier ka fout tire papa et puis famille en fait arrêter le pour bien. Je dis à garder qui état nous n'a traité prisonnier. Et puis nous penser les n'a fait mal. Les n'a fait moun mal. Te ba ici à jeune bon sens tande. L'argent que tu dépensé
Bon sens, tadi. Agir à bon sens. Tant ou n'a pas agi avec moun nou di ki bandi ou mal, et tant ki a pas agi avec nous pi mal. Tant ou nous essayons de comprendre nous c'est moun, nous ka traiter moun tant que moun c'est les ça connait nous c'est moun tout. Bay bwa kali na fè a, m'ba di l pa bon non, m'ba mi place pou m'di l pa bon. Mais penser avec. Nous tuons pile moun innocent la bay bwa kali ça. Je dis à garder Jean l'état pays m'a traité moun et puis nous besoin gen mon pays. Nous besoin nous passer moun bal en prison comme ça. OK. Comment est-ce que nous tendez sacrist là sot di là? Bagay bwa kale ça fait en pile moun mouri. Et une nan raison qui fait que Christ là aborde des questions bwa kale, c'est parce que il y a plusieurs bandits. Il y a plusieurs soldats et il y a plusieurs bandits qui fait partie de vivre ensemble qui tombent dans bois calé. Ça veut dire bois calé arrivé sous yo. Et Christ a dit bagay bois calé ça la cause en pile moun mouri innocemment. Et il fait qu'on est que façon autorité a traité moun nan, li pas normal. Christ là, c'est comme si yon moun kap fait la raison ensemble avec yon lot. Yon moun ka fè moral yon lot par rapport avec un ensemble de crime, par rapport avec un ensemble de traitement. M'pa jam pense ça si Christ là t'a parlé comme ça. On continue tande et mes chef gang Tibois, Christ là qui t'a réagi dans situation, yo t'a transporté et mes façon, yo t'a transporté et prisonnier par rapport avec situation prisonnier yo. Jean ouvli. Tonnerre boule mes gret men. Et je dis à mes gret on t'a des bagages monsieur. Tu consens nèg maltraité moun yo pense soit fait nèg là li pral corriger. Zami internaute pense que situation ça vraiment compliqué. Parce que jodi an là la police nan yon situation pour la police al prend prisonnier. La police obligée d'utiliser plusieurs camions boîtes. Ou bien l'État, ou bien la justice pays. La justice obligée d'utiliser plusieurs camions boîtes. Camions boîtes, ça, yo pote yo sous la main. Parce que yo pas capable de bicentenaire. Yo pas capable de matissant. Yo pas capable d'arriver, eh bien, Bordeaux. Parce que gon certain de ti bout de bas dans zone Bordeaux yo obligé prendre la main ensemble avec camion yo et les arrivé yo descend sous waf kaolian pendant sous waf kaolian et bien c'est là yo met tête yo dans direction Kafou pour que yo capable al prend prisonnier sa yo qui était dans prison et information rivé joindre moi monsieur prisonnier Sao, yo pral tourner avec yo encore et bien sous de l'eau parce que y a une route monsieur peut passer tant que gracier c'est sous la mer yo passé ensemble avec prisonnier Sao, juste en yo rivé Tigouave et dans commissariat Tigouave là c'est là yo mette et bien prisonnier yo. Est-ce que nous est côté que nous dans pays jodien la police obligée à prendre l'eau? La police obligée est peu passée pour affronter bandi dans l'idée pour que yo capable al prendre des prisonniers. Yo te fait même bagaille là pour arabe Myrtil Maslin dans moment yo t'a quitté au car avec lui pour yo te capable rentrer Port-au-Prince avec lui, c'est l'armée yo t'est obligé utiliser parce que yo t'est petit monsieur à terre. Je dis encore et mes policiers yo obligé utiliser l'armée pour que yo capable eh bien passer ensemble avec quelques prisonniers. Jodi la, situation nous hier. Est-ce que c'est pour une situation qui vraiment compliquée? Jusqu'il est, n'a précis quitté situation que nous hier. Pendant n'a parlé de ça, l'important, oui mes amis, pour nous font parler et bien des opérations, n'a font tourner sous opération la police t'a mené dans centre-ville. Faut me dire nous que dans 10 Max Pro qui rentre yo. Max Pro c'est machine spécialisée pour bataille. Eh bien, dans 10 Max Pro yo,
Fòm di nou ke jodi an la, eh bien, gen yon ki an pan, nou te oblije wè li an ba kòd, se rale yo ap rale l, pou yo retire l kote liye an, pou yo mene l nan garaj. Ki problèm ki genye? Eske problèm ki rive Max Pro an? Eske se paske monsye yo pran Max Pro sa, blende an, blende ki fèk vini yo, blende ke les États-Unis fè Ukraine kado yon total de 40 la dan pou batay kont peyi la Rusi, nan kat gro gen ki eklate antre de nasyon sa yo, eske se paske depi le blende yo rive, pa gen metnans ki fèt nan yo, eske se paske polisye kenyan yo, pa kon ki jan pou yo mene blende yo, ou bien eske se paske blende yo pese yon kote, ki la koz yo an pan. Sa di an pil, jodi an, gen ansanm de materyèl ki rentre, e premye sorti yo, e gen yon ki an pan, ki afekte. Kounye la, eske blende sa yo ap kapab bay, yon 3 operasyon, kout yon apre lot. Jusk aprezan, li rete pou n konnen. E mye fòm di nou ke, baga la vreman man gome, li vreman man gome, nan minute nan pale la, nan centre vilan, nan fief izo. Jusqu'à présent, genye kout bal kap pete, et li important, mes amis, pou ke nou kapab rete konekte, paske nan yon titan, nan toune avec res information, pou ke nou kapab vin di ou ki sa ki genye, et bien, nan gro batay sa, ki genye, pendant ke soldat Kenyan yo, polisye Kenyan yo deside mette pie ou ate, et pa bliye tout gro batay ki genye nan vive ansanm. Kote ke barbecue Jimmy Cherizier aka barbecue l'a goumé ensemble avec monsieur Wamikano qui lui-même cap diriger Wap Jérémy. Qui est-ce qui a gagné? Eh bien, Wap connaît information sur plateforme pour là.